Ah ben là, tu vois, Sylvain, là, je crois que j'ai notre légende qui arrive. Une légende de quoi? C'est une légende vivante, Ruby. D'accord. Et là, je pense qu'il part homard. Ah bon? Relever les casiers. Ouais. Lui, il pêche des homards? La légende? La légende de pêche des homards. Comment il va? Bonjour Sylvain, ça va bien? Enchanté. T'as déjà annoncé mon surnom? Ouais, la légende. Mais tu sais, quand je t'ai vu descendre, t'as vu déjà, ouais. Je me suis dit, t'as quand même une posture qui fait que t'en imposes. Mais souvent, une histoire difficile. Bah, c'est un père de famille qui a perdu une petite, tu vois. Donc là, il y a ma grande fille, ma petite fille. Ça, c'est les petites chaussures de ma petite. Ce mec-là n'a jamais baissé les bras. Il s'est toujours battu, il se bat encore pour avancer. Vince, super type, qui a vécu des moments pas super simples et a toujours été là. Aussi bien le club a été là pour lui que lui a été là pour le club. Donc moi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je joue à ses côtés, c'est du respect, c'est un tonton pour moi. Ça fait partie du métier de commercial, d'être sur la route. Moi, ça me pose pas de problème. Quand je suis revenu en Bretagne, ma fille était malade, donc voilà, on avait des gros soucis. Et c'est vrai que moralement, ça a fait du bien de retrouver mon club, le rugby Saint-Père, Marc-en-Poulet. Saint-Père, si tu as besoin d'un coup de main, tu as tout le club qui est là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je parle d'eux, c'est des frères, quoi. C'est des vrais frères. Heureusement qu'il y avait les mecs du club, ouais, qui étaient là. Certains soirs, c'était un peu sa soupape aussi. J'adore Edouard quand il fait ça. Et quand il chante au rang. On l'appelle la légende, mais c'est mérité. C'est quelqu'un qui a joué à très haut niveau. Enfin, à ce qu'il dit, du moins. Et ça se voit, quoi, c'est vraiment la classe. Vraiment, des joueurs comme on n'en fait plus, quoi. Un mec précis, élégant, gros plaqueur. Ce mec, c'est la définition du talent. Excuse-moi, Antoine, ça va? Hey! Enfant? Ça va? Regarde qui je t'amène. Salut Antoine. Antoine. Sylvain, je sais bien. Tu joues au rugby aussi? C'est ça. Deuxième ligne. Et hop, allô. Vas-y, pique un peu juste au début. Tu t'assois juste sur cette petite marche. Et t'en avances pas. Every night in my dream. Ouais, ne fais pas le roi du monde parce que là, ça va faire pouf. Bon, c'est énorme. Si on sort des homards, ah, ça serait beau. Comme un gosse. J'espère qu'on va pas rentrer bredouille, hein, ou tu rentres à la nage. Hein. Ah, j'ai le permis, bon. Moi. Oh, c'est la pêche du siècle. Y a pas de homard? Non. Bon, ben, Toto, c'est bon aussi, sinon, non? Tiens, à défaut de homard, on va pêcher du bar. Faut draguer le poisson, tu vois, souvent, ouais, comment... La légende, tu m'as fait rêver avec tes homards. J'ai vu un vieux crabe que t'es venu poser une heure avant dans le casier, là. Il n'y a même pas de pince. J'ai une touche. J'ai une touche. Non, j'ai un truc. Ah, regarde. Bon, j'ai gagné quoi? Tu me dois 5 homards, là, non? Oui. Avec celui... Attends, avec ton poisson, on va le mettre dans le casier. Il y a 5 homards qui vont venir. Je te les ramène. C'est 5 essais pour toi dimanche, par contre. Oui. Le club, ils ont mis une tribune pour toi. J'ai vu. Eh, hey, tu vas te faire griller le dimanche. Je te nettoie. Attends, top. Le mec, il est plaqué, il est au sol. Il fait l'effort de revenir. Là, chez lui, le maître, le ballon. Top. Il y en a un qui s'est tapé dans le ballon, là. Top. Lâche-le, le ballon. Lâche-le, poulet.
Lâche-le, il y a deux contre un. Ouais. Rentre pas. Calme-toi, calme-toi. Mais non, mais vas-y. Lâche-le, les ballons. Liez le deux contre un. Il y a 15 mètres. Mais il s'enflamme un peu, là. Jeu. Les mecs, vous allez jouer un match, franchement, c'est énorme. Dimanche, on respecte tout le monde, tout ce qui a été fait. Si on peut mettre 140 points, on met 140 points. On ne s'arrête pas à 30 à faire les malins. Si on peut en mettre 160, on en met 160. On va leur montrer que nous aussi, on sait faire. Qu'on fasse une belle fête après, mais vraiment, et tous ensemble. Et pour les papis, les mamies, le mopetcho du club et compagnie, il faut que tout le monde se régale dimanche. Dimanche, il faut que tout le monde ait la banane et envie d'aller encore plus loin. Tous les vieux là qui jouent plus aujourd'hui, ces mecs-là, là, lui, ceux qui étaient là mercredi, ils étaient là depuis le début du club, les gars. Oh, 10 ans. 10 ans, il y a 2 photos dans le clubhouse. T'as les cadets et les moins de 10 de cette année, hein, c'est magique. Voilà, donc les jeunes, là, vous allez m'emmener les vieux, et les vieux, on va y aller tous ensemble. On y va tous ensemble. Pour le bled. Bon, les gars, pour le bled. Hein, pour tout. Pour nous aussi, un peu. Merci, les gars. Allez, c'est parti. Ah, il est en retard. Il m'avait dit 9h. Je sais pas où il est, hein. Alors, il va pas tarder, je pense. Comment il va, mon frère? Les mecs. Bien, Adrien. Ça va bien? Ça va bien. Ouais, pareil, bienvenue. Chanté. Bonne journée. Bienvenue. Bon, je ferme, les mecs. Bon, ben voilà. Ça, c'est cool. Pour une fois, j'ai 3 adjoints. Merci, les gars. Alors, les gars, ça, c'est notre village. Il y a combien d'habitants, Adrien? 2000. On est 2000. Tu vois? 2000. Pour combien licenciés? 200. On est 200 joueurs au ballon. 10%? Ouais. Donc les boulevards Maréchaux de Saint-Père. Ah, je crois que c'est Champs-Élysées. Bon, les gars, vous avez vu Twickenham et compagnie. Là, vous allez voir le Stadio Olimpico du... Il est magnifique, ce stade. Tu penses que ça serait bien si on remettait les maillots? Moi, je pense que, ouais, pour les mecs, tu imagines. Un peu le cérémonial, comme en équipe de France, et je suppose. Ouais. Ça vous dérange pas, Titi, si on fait la remise des maillots Non, bah, avec plaisir. Ouais, avec plaisir, avec... c'est un privilège. Bon, alors, pas mal, hein? Très bon. Avec l'église, on a en arrière-plan. Sylvain, tu peux nous filer un coup de main à la mêlée? Ouais, bien sûr. Hein? Si, pour la première ligne, position... Sans souci, avec plaisir. Ok, ben si tu peux me reparler un peu à Doudou, tu vois, histoire de continuer à ce qu'ils nous mettent du 100%. Ok. Ça sera bien. Thierry, tu peux nous filer un coup de main aussi, cet après-midi? À ton service, tu me... Si tu peux me reparler un peu à Jérôme, tu sais, sur la motivation dans le vestiaire, les mots qu'il faut sur un match comme celui-là, tu vois, ça peut être sympa. Avec plaisir. Eh ben, merci les mecs. Voilà. Non, mais en plus, c'est vrai, c'est cool. Merci bien d'être venu. Non, mais vraiment, tu vois, on n'avait même pas imaginé les 3 à Saint-Père Marc-en-Poulet, quoi. 1, on n'y pensait même pas, mais alors les 3, non, mais voilà, bienvenue.